Les habitants des Pyrénées-Orientales ont été nombreux à s'inquiéter ces derniers jours en voyant des panaches de fumée s'élever depuis les hauteurs. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle des brûlages dirigés. En fonction de la météo, des unités de la sécurité civile et des pompiers allument des feux en se servant du vent ou comme ici de la neige pour éviter toute propagation. Cela dans un but bien précis. C'est d'aménager l'espace pour réduire la masse de ce qui peut brûler, à la fois pour des raisons de protection de la forêt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des coupe-feux qui vont empêcher un feu d'origine incendiaire, quel qu'il soit d'été, de se propager à la forêt, mais également d'aménager des espaces de sylvopastoralisme pour les animaux, pour faire en sorte qu'il y ait un choix des essences qui puissent pousser au niveau de chaque sous-secteur. Les hommes du feu brûlent ainsi 1000 hectares chaque année.